Hey, bonjour à tous, c'est Wisberen, pour vous servir, bien sûr, attendez, oh, pas si vite, monsieur, c'est Wisberen pour vous servir. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo très importante sur le début des championnats du monde, le début des championnats du monde qui commence aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, à 22h, je partirai en live pour vous diffuser le match entre l'équipe de France B et nos amis belges, en tout cas. Il est de mon devoir de faire une vidéo présentation pour cette Coupe du Monde qui s'annonce passionnante. En tout cas, c'est parti pour la présentation des équipes et les joueurs à suivre pour commencer cette vidéo. Donc du coup, on va dire que c'est parti. Allez, c'est parti, sans transition. Nous verrons que le premier groupe est constitué de la LATAM Team. Qu'est-ce que la LATAM Team? C'est une union un peu de tous les pays américains, central, ouais, l'Amérique centrale, quoi, on va dire. Donc du coup, les joueurs à suivre de cette équipe seront Andy, Cruzo et Behemoth à égalité avec Arthur. Donc voilà, ça c'est les joueurs à suivre. Maintenant, ça nous intéresse, là, la France B. Et mené par le légendaire capitaine Tommy Bee et Lionel Messi. Oui, monsieur Lionel Messi en personne, avec le co-capitaine Illogic, qui sera le joueur à suivre du côté français, ainsi que Blacky. J'annonce que Blacky va faire une énorme compétition, ainsi qu'Illogic. Ils vont tout casser, je pense. Et bravo pour la faute à Co-CTH ou Co. Voilà, comme je vous avais dit hier, ils changent de nom comme de chemise. Et là, c'est Co-CT. Voilà. Ensuite, les amis belges. Allez, les amis belges, le joueur à suivre du côté de la Belgique. Incontestablement, ça sera Tormica. Très, très bon joueur. Et ensuite, nous avons le Pérou avec Franco Nicodice, qui sera le joueur à suivre péruvien. Ensuite, nous passons au groupe 2. Le groupe 2 avec l'Uruguay de Magic Tagbo. Bien sûr, Magic Tagbo qui a piqué la chatte à Dédé. C'est bien connu, ça, en tout cas. Ça sera le joueur à suivre ainsi que Agustix 21. Ensuite, le Mexique, les favoris du tournoi, triple champion en titre, en tout cas mené par le capitaine légende FC et le co-capitaine, surtout le joueur à suivre, Giovanni. Et il n'y a que des gros joueurs, que des gros noms. En tout cas, les deux joueurs à suivre, ça sera Giovanni et Titis, en tout cas, pour le Mexique. Ensuite, nous avons l'Inde. L'Inde, une équipe un peu moins connue, bien sûr. Mais je pense que Sky sera le joueur à suivre du côté de l'Indonésie. Parce que l'Inde, c'est une autre équipe, c'est India. Mais l'Indonésie, en tout cas, sera à suivre par Sky, le capitaine de l'équipe. Je pense que c'est le meilleur. Il y a Blaziken, Brazegali, attention. Pourquoi pas un Brazegali sur Humble Star un jour, le Pokémon Starter Feu de la troisième génération évolution finale, pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon. En tout cas, nous passons à l'Inde. L'Inde avec le capitaine Blido Kido et Cipher qui seront les joueurs à suivre, je pense, de cette équipe. Ensuite, nous avons le groupe 3 avec l'Argentine B. Les joueurs à suivre seront Rami, pas le joueur de football, bien sûr, hein, pas Adil, hein, et Phoenix. Ensuite, nous avons la Colombie avec Ruanca et Kick qu'il faudra suivre du côté colombien. Le Ruanca, le capitaine de l'équipe, très très fort. L'Espagne B avec Caspe et Primo Gallego à suivre, qui sont deux très bons joueurs. En tout cas, c'est solide. Ça fait peu d'erreurs. La Mexique B qui seront joueurs à suivre. Je ne connais pas trop la Mexique B, mais allez, DSX Daniel et DSX Fabian. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec leur délire de DS, là, mais c'est imprononçable pour un Français lambda. En tout cas, nous passons au quatrième groupe avec surtout, sûrement le groupe de la mort, avec l'Espagne. L'Espagne, que des bons joueurs. L'Espagne sont pas mal, hein, quand même. Les deux joueurs à suivre principalement pour l'Espagne, ce sera Rodri et Villaboa. Ensuite, nous avons l'Italie. Les deux joueurs à suivre italiens seront Pela et King. Pela, personne. Ah non, Pela, c'est bon, il est gentil, mais King, par contre, c'est un bel enfoiré. On va pas se le cacher. C'est bien italien, ce type. Et nous avons notre équipe de France qui sera menée par le capitaine Yacine et Lionel Messi. Je pense que Yacine, Gronaz et Felindra seront les joueurs français à suivre en priorité. Mais après, c'est très solide cette équipe. Ça sera un beau groupe hein, quand même. Hein. Et ensuite, la Turquie avec Yacine Meryk et Tergogo qu'il faudra suivre.
Un peu moins connue, la Turquie, mais faut faire gaffe à des équipes un peu moins connues. Après, nous avons le Chili en groupe 5. Le groupe 5, on passe au groupe 5. Le Chili, mené par Vex et Jason, qui seront les joueurs à suivre chiliens. Après, nous avons le Brésil, très grosse équipe. Le Brésil, souvent dans les podiums de ces championnats du monde, avec Wilson qui sera très dur à sortir, comme à son habitude. Et Sneijder aussi, qui est très très fort. Sneijder qui est le starter type plante. C'est Vipelière hein, en français. Starter type plante de la 5G, il me semble. Ouais. 5G. Pour ceux qui jouent à Pokémon, une fois de plus. Après la Colombie, la Colombie, je ne connais pas trop la Colombie B, mais Tobarcito sera le joueur à suivre, je pense. Et nous finissons par l'Argentine A avec Uzumaki Luka et Caleri qui seront les joueurs à suivre. Et du côté argentin, et c'est pas Caleri, c'est pas Naruto Uzumaki, comme on dit. Ensuite, nous allons voir les groupes maintenant. Les groupes et le groupe 1 qui est un beau groupe, hein. LATAM Team et France B devraient passer, je pense. Mais c'est un groupe ultra ouvert, je trouve. Le niveau est homogène. Franchement, c'est dur de sortir un favori de ce groupe, tant le niveau est équivalent, je trouve. Donc, ça sera un groupe à suivre. Il y aura du suspense, en tout cas. On n'est pas au bout de nos surprises avec ce groupe. Tout le monde peut passer dans ce groupe, hein. Le groupe 2, l'Uruguay, le Mexique, l'Indonésie, l'Inde. Je pense que le Mexique finira en première position. En deuxième position, l'Uruguay. Et je pense que ça sera dur pour l'Inde et l'Indonésie. Mais l'Inde pourrait jouer les troubles faits dans ce groupe. Attention à surveiller. Le groupe 3, le groupe assez ouvert aussi. Hein, surtout pour la deuxième place. La Colombie me paraît favorite de ce groupe. Mais attention aussi. Au Mexique, B qui est une très bonne équipe. Je pense que ça va être compliqué de dégager une deuxième type de ce groupe. En tout cas, je pense que la Colombie et le Mexique B devraient passer. Et là, le groupe 4, le groupe de la mort. Concrètement, nous avons l'Italie, l'Espagne et la France. Ça va se cogner sévère, ça va se cogner comme un 40, les gars. Là, je vous explique, là, ça va être incroyable. Je pense que la France et l'Italie vont passer aux dépens de l'Espagne et la Turquie. La Turquie, je pense que ça va être très dur pour elle. Mais attention, avec ces équipes-là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et le groupe 5, nous avons le Chili, le Brésil, la Colombie et l'Argentine. Je pense que le Brésil et le Chili vont se qualifier. Je pense que c'est eux deux les favoris, mais attention à l'Argentine qui peut venir jouer les troubles faits. Alors, maintenant, je vais vous présenter le format. Le format, ça va être un 5v5 code BO1. Qu'est-ce que c'est un 5v5 code BO1? C'est un King of the Hill. Ça veut dire que c'est comme une relève. Tu bats un joueur prend sa place, tu le bats, tu restes. Tant que tu gagnes, tu restes. Et le premier qui a plus de joueurs sur le grill a perdu et c'est un BOM, c'est-à-dire en un match, ça joue sur un match. Et le ban global initial, ça veut dire que les équipes peuvent avoir un ban. Allez, sans transition, maintenant le format, on va dire qui est-ce qui est rémunéré, le prize pool qui a finalement été annoncé, hein, le prize pool. Alors, première place 50$, la deuxième place 30$. Ainsi que des estrades bonus. Alors, try to hit résulte. Qu'est-ce que c'est, try to hit résulte? C'est des paris. C'est le pari. Vous pariez sur quelle équipe gagne et quel est le MVP de la rencontre. Ensuite, fantasy, c'est passé, c'était passé. On avait jusqu'au 1er août. Alors, tu devais dire 5 types de des pays différents. Par exemple, tu disais WizBRN France B. Wilson, Brésil, tu en disais 5 comme ça, et au total, ceux qui vont scorer le plus, ça va être additionné à la fin, et celui qui a le plus gros nombre de l'assemblement des 5 joueurs gagnera ce petit bonus, ainsi que le MVP de la compétition gagnera 5$ et le meilleur buteur de la compétition gagnera 5$ aussi.
Donc, je pense que c'est tout pour moi. Hein. C'était tout pour cette présentation de cette Coupe du Monde. En tout cas, n'oubliez pas ce soir le live à 22h. Je liverai. Nous jouons contre la Belgique. France B Belgique à 22h. Je vous attends nombreux sur le live. En tout cas, je l'ai annoncé. Ça sera fait. Peu importe la manière, le live sera lancé. En tout cas, c'était tout pour moi. C'était tout pour l'information de ces championnats du monde. Qui vous pensez qui va remporter ces championnats du monde? Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner et de me suivre un peu dans cette aventure qui est cette chaîne YouTube. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas ce soir à 22h le live. Et sur ce, c'était Wisberen pour vous servir. On se retrouve pour un petit bonus en fin de vidéo. J'allais pas faire une vidéo sans gameplay et je vais vous montrer un gameplay assez hilarant. Voilà, je joue en ladder contre Bossa Baba qui va ramasser mais toute la partie. Un immense flot de skills. Regardez, allez, regardez, c'est parti. Là, attention, le premier but peut-être. Regardez. 3, 2, 1. Voilà. Voilà comment on vient du futur chez nous. Voilà comment on accueille les gens qui sont pas gentils. Parce que Flawless, Raw AR, c'est vraiment une team qui est nulle et qui saoule tout le monde. On va pas se le cacher. C'est toujours un mal et un plaisir de manger à la petite cuillère et démonter comme des portes de camping ces pauvres joueurs. En tout cas, pour moi, ça commence bien, vous voyez. Voilà. Là, c'est un petit bonus de fin de vidéo. C'est la petite touche, la petite cerise sur le gâteau. Vous savez, quand vous avez bien mangé, ben voilà, vous avez ça. De la petite cerise sur le gâteau après cette vidéo Coupe du Monde. Alors là, le panda qui tire de toutes ses forces, hein, bien sûr. Là, la boule de feu envoyée au pif pour essayer de contrer le goal. Et là, c'est parti. Et là, hop! Il prend le tremplin, il reprend le tremplin. Et quelle action! Mais quelle action! Mais que dire de cette action? Le poisson qui prend un double tremplin, qui s'en va marquer son but. Mais c'est si beau! Mais c'est si beau! Mais c'est le meilleur but de ma carrière. Personne n'attendait ça. Et voilà, c'est un but incroyable, les amis. C'est un but incroyable. À ne pas refaire chez vous, absolument. Et là, ça va partir. Aïe, 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 quel dommage. Mais en tout cas, franchement, ce but est incroyable, exceptionnel. Franchement, c'est un petit match sympa que j'avais envie de vous partager en petite fin de vidéo. Et voilà, le troisième but. C'est une victoire totale. Sur ce, je vous laisse. C'était Wisberen pour vous servir. À très bientôt.